Là, il y a moyen, il y a moyen. Yes! Oh putain, c'est tellement épique, mon pote! Et salut les connards! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter World. Avec ce beau coucher de soleil. Lever de soleil plutôt, parce que la journée est déjà en train de se lever apparemment. On m'a confié une mission et apparemment ça va être le combat de ma vie. Non, là je commence à avoir des gros monstres en face de ma gueule. Puis là c'est le Nergigante. Alors apparemment le Nergigante c'est pas joli rigolo. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, donc on va voir. On va prendre un repas classique, hein, la surprise du chef, histoire d'avoir le max de vie et le max d'endurance. N'hésite pas à aller voir la vidéo spéciale bouffe que j'ai fait sur le jeu. Voilà, c'est assez utile pour obtenir des bénéfices avec tes repas. Voilà, on s'en est encore foutu plein le cornet. Vraiment, je crois que c'est le jeu dans lequel j'ai le plus bouffé de toute ma vie. C'est génial. Ok, je vais pas prendre de coupon. C'est risqué, je risque de le perdre. Hein. On va voir. Franchement, première rencontre avec un dragon qui bouffe d'autres dragons, je crois que je vais perdre au moins le premier combat, je pense. Hein. Donc on va voir. Écoute, hein, je suis prêt, hein, j'ai tout mon stuff. Allez hop, c'est parti. Bon, on se retrouve à la Terre des Anciens. Allons-y. Le problème, c'est que là, il me fait suivre une piste où il y a déjà d'autres monstres. Et j'ai pas forcément le stuff valable pour combattre ces autres monstres, notamment la baselgeuse, elle est sensible à l'électricité. Là, j'ai une lance explosive. La baselgeuse, elle s'en bat les couilles des explosions parce qu'elle explose elle tout le monde. Et le gogo, je vais encore avoir beaucoup de mal avec les noms des strums. Alors, vas-y, comment il s'appelle? Bon, Nergigante, d'accord. C'est le Dodo Gamma, et on voit que lui, les explosions, il n'en a rien à battre, parce que lui-même aussi utilise des explosions, donc lui aussi est sensible à la foudre. Donc, ce qui fait que moi, quand j'arrive ici, en général, Baselgeuse et Dodo Gamma, je leur fous des coups de lance à foudre. Ah, voilà, bon, on va... Là, ça va être la confrontation. Alors, j'étudie la pierre, il va arriver dans mon dos, et il va m'en mancher. Qu'est-ce que... Oh, ça appartient aux tribus des chats, hein. Ah, voilà. Les chamans, hein. Ouh, d'accord, alors attends. Fuyez! Il a vraiment dit fuyez, hein, t'as vu? C'est marrant. On dirait. Ah, ça fait franchement flipper, parce que eux, ils ont peur de rien, les chamans, hein. Franchement, ils se laissent jamais impressionner, mais là... Bon, est-ce qu'il est gros? Ouais, il a l'air assez gros. Alors, je l'ai déjà vu en combattant le dernier boss, Azura Magdaros, mais je l'ai pas vu de près, je l'ai pas combattu vraiment. Waouh, d'accord. Ah, il est pas mal, le Nergigante, hein. Il est pas mal. Ouais, je vais essayer de donner tout ce que j'ai, mon pote. Bon, déjà, comme on combat avec la lance, on va se mettre comme ça. Vas-y, moi, ce que je veux, c'est aller sur ton dos. Ah, c'est bien, mon ami. Ah, merde, j'ai loupé. Mon ami chat, il la tient. Ouais, bah, je l'ai carrément loupé. En espérant qu'il soit sensible aux explosions. Et je vais quand même beaucoup me protéger parce que je le connais pas, donc je vais l'étudier. Bon, déjà, je lui fais des coups critiques. On va le cibler aussi, ça va être pas mal. On va les cibler la tête. Il a pas l'air très... Je sais... Si, ça a l'air d'aller, les explosions. Donne-moi tes coups de patte, j'en ai rien à foutre. J'ai pas la dent, mon pote. Je risque pas grand chose. Oh, je t'ai fait mal là, non? Je t'ai fait bobo à la tête? Bah alors, mon petit bonhomme. Tu vas les manger comme des cookies, mes coups de lance. Je te le dis clairement. Ah, même dans les pattes, il est sensible. Ah, mais en fait, ça se trouve, il est sensible aux explosions. Et du coup, je suis en train de le défoncer avec ma lance, parce que c'est ma lance la plus puissante. Ah, attends, je vais bosser ses cornes, mais les cornes, c'est peut-être pas forcément intéressant. Pour l'instant, j'ai pas pris de coups. Ça, c'est grâce au... Le chat, il l'attire avec le masque spécial. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, je suis très prudent aussi, là. Hein. Mais j'avoue, je lui retire des bons points de vie, hein. Pour l'instant, ça va. On va voir ce qu'il me réserve comme surprise. Moi, j'aimerais bien quand même lui monter dessus, mais je vais être trop gourmand. Ça se trouve, je vais me faire baiser la gueule. Écoute, on va essayer.
Allez, vas-y. Ah, c'est pas bon. Je suis trop gourmand. Il va me cueillir. Ah là, c'était sûr. Et il m'a enlevé beaucoup de vie quand même. Ouais, beaucoup de vie, beaucoup de vie. Donc là, il m'oblige à... Attends. T'as lâché un objet, mon pote. Oh, je vais essayer de te le choper. Déjà, tu craches pas du feu, ça me plaît. Est-ce qu'il... Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air de gigoter dans tous les sens. Ah, parce que t'es en galère. Oh, mon gars, je vais en profiter. Si t'es en galère. 3, et hop, j'enchaîne comme ça. 1, ah, pourquoi t'es protégé sous le coup? Ouf, là, d'accord. Ben, ça va, je résiste bien au choc avec cette armure. Y a pas de problème. Enfin, avec ce build, quoi. Bon, on voit pas la vie, hein. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu. Bon, j'aurais bien aimé essayer de le maîtriser. Oh, essayer de lui monter sur le dos. Et je t'avouerai que c'est peut-être un peu du luxe. Ah, pourquoi je saute comme ça? Faut que je me concentre. Est-ce que je reprends de la vie ou pas? Je vais reprendre de la vie, je vais être quand même très prudent. Par contre, je perds de l'endurance quand je fais ça. Allez, je peux le faire. Oh, c'est pas encore ça. C'est pas obligatoire de lui monter sur le dos, hein, mais je t'avouerai que ça me ferait bien plaisir. Hein. Voilà, mon palico, là, il est en train de le provoquer. Avec un masque particulier, donc c'est très sympa. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Ah, là, il y a moyen. Yes! Oh putain, c'est tellement épique, mon pote! Et je sais pas comment je m'accroche à tous ces os sur le dos, là. Me déplacer! Yes! Allez, on continue. Ah, il est magnifique, ce monstre. Franchement, il est beau. Ah, par contre, tu bouges plus, là. T'es en PLS total. Donc, le but, ça va être de le faire mongoliser, hein, évidemment, pour le tabasser. Voilà, donc coup de grâce. C'est bien, c'est allé vite. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, parce qu'il est censé être fort. J'aimerais bien que les monstres aient des capacités quand on leur monte sur le dos un peu différentes, ça serait cool. Ah mais si ça se trouve, j'ai choisi la bonne arme. Hein. J'ai choisi la bonne arme, la bonne armure, hein, parce que je crois que les explosions, je suis en train de le défoncer. Quoi. D'ailleurs, il se casse. La deuxième phase va être un peu plus compliquée parce que je crois qu'il va falloir prendre une boisson fraîche. Il est là-bas, alors tu sais quoi? Attends, je vais essayer de le surprendre. Et tu sais quoi? On va essayer de faire un truc stratégie. On va se mettre la cape caméléon. On va s'approcher. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est lui faire tomber sur la gueule. Voilà! Oh, yes, papa! Ah, tu sais pas d'où ça vient, hein? Tu sais pas. Tu sais quoi? Je vais même sacrifier un piège. Un piège à fosse. Parce que là, il me voit pas. On va sacrifier un piège à fosse. On va se reculer. Ah, il va pas être sensible. Il va pas être sensible. Non, il s'en fout, je crois. Ouais, il s'en fout, je crois. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je suis encore invisible, écoute, alors j'ai pas de bombe là. Ah, il m'a vu! Pourquoi il m'a vu? J'ai fait du bruit? Oh, d'accord. Non, bah, il est pas sensible au piège alors. Bon, je l'ai gâché pour rien, c'est pas grave. Ouais, parce que c'est un dragon ancien, je crois que les dragons anciens, tu peux pas les piéger. En revanche, je vais reprendre de la vie, je crois. Ouais, donc le piège, il s'en bat la race, hein, évidemment. On va essayer de le contrer. Oui, bien joué, quel timing. C'est cool. Allez, on continue. On va essayer de le contrer. Oh, pourquoi c'est pas passé, là? Ah, non, faut absolument que je m'enfuis, mais... Avec cette arme, vaut mieux se protéger d'abord. Avant de bouger, la Vitalis, je l'ai pas eu. Voilà, elle est là. On va se décaler. Voilà. Donc je m'escampe. Et ce qui est bien, c'est que voilà, je m'arrête. Et s'il y a de la vie autour, je peux la prendre. Donc ça, c'est cool. Tu es déjà sur moi, toi. Tu es déjà sur moi. D'accord. Non, mais on va te calmer, hein, parce que là, tu commences vraiment à me vénère. Ok, alors attends. Est-ce qu'il est sensible à d'autres trucs? Quoi? Ah, je me suis pas protégé pendant que je faisais ça. Ah, je me suis fait assassiner. Voilà, ce chiffre-là, en fait, c'est pas de la vie qui perd ou de la vie qui gagne. En fait, c'est qu'il est à moins 33 mètres de moi. Voilà, donc petit erratum. Donc là, je pense qu'il va se retourner. Ouais, d'accord. Je me suis complètement planté sur ses cornes. Donc c'est mort. Là, c'est passé, mais c'est pas ce que je voulais faire. On va refaire. Ouais, c'est bien.
Ah non, putain, comment ça se fait? Je me protégeais. Ouh, il a un super cri. Alors, ok, il se concentre sur le chat. Il m'a retiré beaucoup de vie quand même. Ouais, c'est bien ça. Tu te concentres sur le chat. Moi, pendant ce temps-là, je t'éclate les pattes et les ailes et toutes les conneries. Ah, t'aimes pas quand je suis bien proche de toi là? T'es en train de mongoliser ou pas? Ah, il est pas encore en train de mongoliser. Ça va venir. Il est énervé là. On voit l'œil rouge sur la map. Il est colère le petit Nergigante. Ah bah il est même voilà. On est plutôt pas mal. Là je pense qu'il va nous sauter à la gueule directement. Voilà, classique. Classique. Ok, cool, je vais pouvoir te monter sur la gueule. Vas-y saute. T'es où? Ah bah écoute, non, je t'ai pas eu, mais c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Tu vas où? T'es où? T'es là-haut? Ah, il est là-haut, mais alors s'il me retombe dessus, je suis dans la merde. Oh, tu commences à me gonfler, je préfère que ça, moi. Oh, cette fois, tu vas pas t'enfuir, hein? Ah non, tu vas pas t'enfuir, gros. Hé, hey, combat! Allez, sois courageux. Je te fais peur ou quoi? Ah, voilà, t'es bien en train de mongoliser, là. Hein. Voilà. Ah, ouh, bah dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus te... C'est tes pattes. Ah, il a un excellent bruit, comme le Diablo, ceci. Ils ont fait un très bon travail au niveau sonore. Voilà, je l'attaque pas, hein, parce que là, il s'énerve. Je prends pas le moindre risque, je reste vraiment en mode paladin. Là, oui. Voilà, 3 attaques, mais pas plus, et encore 3, c'était beaucoup. Mais protège-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, voilà. Ok, je me déplace tranquille. Ok, j'ai touché une patte. C'est marrant, l'intérieur des pattes c'est bon. Et l'extérieur c'est protégé. Ok, sa queue, faut que je fasse gaffe parce que va vraiment. Il a failli m'en mettre un coup. Oh, la technique du masque avec le chat fonctionne très 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 bien. Vraiment, il me tourne le dos très souvent. Faut juste que je fasse gaffe à sa queue. Ah, je vais faire des attaques prudentes comme ça où je me déplace. Enfin, prudente. Je reste un petit peu fragile quand je me rends. Oh, je t'ai fait décoller, mon gars. Oh, oh. Stop. J'ai trop attaqué, là. Non, c'est bon. Non. J'aurais pas dû attaquer. Ouais, c'est bon. Protège-toi. Voilà, c'est ça. Ah, avec l'expérience... En fait, chaque arme a vraiment son gameplay. C'est vraiment génial, ce jeu, là-dessus. Et avec l'expérience, la lance, tu sais quand tu dois attaquer ou pas, parce que... Attends, t'es en train de mongoliser ou... Non, c'est bon. Bon, écoute, on va... Là, faut faire gaffe, parce que ça se trouve, il se barre pas, il va me ressauter dessus. Hein. Ça m'est déjà arrivé avec je sais plus quel monstre. Alors, est-ce qu'on pourrait pas lui faire un peu la technique de tout à l'heure? Mais ma cape, je crois que j'en ai quand même besoin. Ouais, j'ai pas de bombe explosive à placer. Bah écoute, on y va. Hein. On y va. Il va se retourner. Ouais, mais trop lent. Ah, c'est dommage. Ah, j'étais pas loin de lui monter dessus. C'est dommage. Vas-y, excite-toi. Excite-toi. Voilà. Je vais ranger le bouclier et je vais commencer à tirer des... Ah, c'est nul. Ah ouais, non, en fait, c'est pourri, les trucs draconiques, là. Qu'est-ce que ça fait? Faut lui faire avaler ou quoi? Non, c'est pas terrible. Hein. Franchement... Attends, je préfère les trucs explosifs qui sont par terre. On va pas prendre une pierre. Faut peut-être pas que je prenne la confiance là. Il y en a plus des machins explosifs là, bleus. Attends, parce que si, normalement, faut que je fasse gaffe à mon endurance. Alors, faut pas courir quand tu veux faire vraiment une roulade. Donc, il n'y a plus de trucs explosifs. Hein. Ok, bah écoute, il n'y a plus de trucs explosifs, on va se contenter. De l'attaquer, et c'est déjà pas mal. Allez, on résiste. Déjà, t'as pu tes cornes, mon pote. Ah, je me suis pas déplacé à temps. Si, c'est bon. Ah, yes. Si, c'est bon, mais j'ai perdu un peu de temps. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop permissif. Quand t'es sur le dos du monstre, c'est un petit peu trop facile de rester sur le dos du monstre.
je trouve qu'il devrait y avoir des monstres qui t'éjectent vraiment, qui te font mal et tout, enfin vraiment qui résistent à fond quoi, parce que là je trouve que c'est un petit peu trop facile. Voilà, on va essayer vraiment de capitaliser sur ta mongolisation mon gars. On va enchaîner comme ça. Ouais, je t'ai bien acheté, tu les as mangés comme des cookies hein. Donc là je peux te capturer en théorie, mais comme t'es un dieu ancien et compagnie, mais je sais pas en fait. Je vais garder mon piège. Garder mon piège. Attends, je vais quand même aiguiser. Ouais, donc tu sais quoi, regarde, c'est là. J'ai bien fait de garder ma cape. Voilà, c'est là où faut mettre la cape. Alors, on va s'approcher de toi en espérant que tu me renifles pas de loin. Donc a priori c'est bon. Voilà. Alors, on va préparer. On va s'approcher. Alors, piège électrochoc, ça marche ou pas? Ah, ça va pas marcher. Ah, ça me saoule, ça marche pas. Ouais, c'est un dieu ancien et compagnie, donc... bombe tranquillisante. Bombe tranquillisante. Ah, ça marche pas. Il en a rien à battre, et même le poison. Il en a rien à... Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as vu? Ah non, il est pas content parce que j'ai mis du poison. Oh non, reviens Léon. On était bien pour combattre ici, parce que dans la chaleur du volcan... Attends, il dort là? Ah non, il dort pas. Ok, nul à chier. C'est nul à chier ce que je viens de faire. Là, il va être vénère. Hein. Oh, le contre! Ouais, pour mettre 10, c'est pas terrible. Hein. Ouais, j'ai réduction des dégâts. Ouais, j'ai vraiment la bénédiction. Hein. j'ai mis pas mal de trucs bénédiction. Hein. Ça, c'est clair. Tu t'en vas déjà? C'est une blague. Hein. Attends, tu rigoles ou quoi? Je vais te chasser, moi. On va voir le piège, ça va rien lui faire. C'est dommage. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est peut-être. C'est le jeu. Hein. C'est un dieu ancien. Hein. Par contre, je lui ai mis bien dans sa gueule. Hein. Il est en train de mongoliser. Ça fait mal au cœur. Hein. Parce qu'une belle bête comme ça. Je pensais qu'il serait plus fort. Il m'a mis KO une fois, mais bon, c'était un peu de ma faute. Voilà, j'étais imprudent. Là, on est prudent. Ah, t'aimes pas hein, quand je suis. Quand je suis en dessous comme ça. Hein. Ah, c'est chaud ce que je fais parce que je suis pas dans le bon. Je suis peut-être pas dans le bon sens pour protéger. Faut que je fasse très attention. Ou alors faut que je fasse la protection ultime. Donc rond X. Et en fait, je la fais même en attaque parce que ça me donne une attaque augmentée. Tu t'en vas déjà? Bon, écoute, là, de toute façon, j'ai tout mon temps, donc je vais collecter du minerai. Donc, je laisse appuyer, hein, comme je l'ai mis dans mes 25 astuces de débutant. Tu trouveras la vidéo, donc, à la fin de cette vidéo, hein, cliquable. La technologie, mon pote. Il est parti où, là? C'est quoi ce stage-là? Je le connais pas. Je suis prudent. Parce que là, ça se trouve, il va me sauter dessus. C'est pas impossible. Hein. Parce que l'enjanate, c'est ce qu'il fait. Ah, il est loin, il est dans un recoin en fait. Je sais pas si j'aurais dû faire ça parce que je vais me prendre un mur hein, si ça continue. S'il y a un virage. Ah, il dort. Ouais, mais je peux pas le capturer. J'ai déjà essayé avec le Kirin et tout. Kirin. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais plus d'endurance. Donc, quand t'as plus d'endurance, tu peux plus te protéger. Donc, c'est mort. Faut partir. Cours ta race, j'ai plus d'endurance. Oh putain. Ah ouais, une fois que t'as couru comme ça, bah oui. Eh hey, David. Ok, j'ai plus que deux potions de vie. Oh, il se frotte au sol, hein, d'accord. J'ai plus que deux potions de vie. On va faire quoi? On a quoi en magasin? On a les capsules de boost, on a les capsules aveuglantes. On va faire capsule aveuglante, boisson énergétique. Et je crois qu'on va reprendre potion du démon. Ouais, potion du démon, j'aurais dû la reprendre d'ailleurs. Quand j'étais KO, j'aurais dû la reprendre. Et comme je voulais le capturer, je voulais pas lui faire trop de mal. Hein. Genre potion de vitalité, je pense qu'avec tout ça, ça devrait aller. Hein. La boisson fraîche, c'est pas trop la peine. Et on va se remettre là-dessus. Écoute, hein, on va repartir là-dessus parce que là, maintenant, t'es plus près. Donc, faut que je fasse gaffe à l'endurance quand je pars de très loin. Ah, le coup de queue. Eh oui, le coup de queue, bah oui, évidemment, faut pas rester dans cette zone, mon pote.
Donc là, j'ai de l'endurance. Tu peux y aller, j'ai paladin. Quoi? Comment ça, KO? Mais t'as vu toute la vie que j'avais? Non, là, y a... attends, là, c'est pas... Non, ça, c'est pas cool. Non, ça, c'est pas cool. J'avais une vie de fou. Attends, je peux remanger, je crois. Ouais, bon, ok. Il m'a battu deux fois. Bon, d'accord. Bon, il est fort, évidemment. Mais il est fort, mais il me fait pas autant d'effet que le... Apprendre des 10 de la mer, parce que j'ai besoin de plus de protection. Donc, je vais m'arrêter quand même largement avant. Voilà, je vais m'arrêter quand même bien avant pour récupérer mon endurance. Et peut-être qu'il dort. Donc, écoute, on va essayer de lui faire un coup vraiment, vraiment puissant. Parce que quand il dort, ça double les dégâts. Et là, il faut que j'arrive à négocier mon virage aussi. Hein. Je vais me prendre des cristaux dans la gueule. Non, c'est bon, il dort. Ouais, pas mal. Pas mal. Ça va. Ça va. Bon, on va prendre aucun risque avec toi, mon pote. Hein. Comment ça se fait que quand je te tape, je te fais pas mal hein. Tu vas pas moins one shot encore une fois. Hein. Voilà. Attends, j'ai niveau 3 en paladin. Tu vas pas rigoler avec moi. Hein. Pourquoi je me suis cassé la gueule hein. Je comprends pas ça. Hein. Bon, ça se trouve, il lui reste encore beaucoup de PV à ce qu'on a. Hein. Pourtant, il est dans la phase finale, là, il a la tête de mort, mais... Peut-être... Ah, oh, j'ai attaqué au mauvais moment. Ah, putain, ah non. Putain, j'ai cru que j'allais crever comme une merde avec tout mon matos. Attends, j'ai plus le... potion ancestrale. Pourtant, je viens de remanger, je comprends pas. Pourquoi j'ai la vie qui a baissé? Je comprends pas, ça. Toi, mon gars, putain, mais je... Tu m'énerves. Oh putain. Franchement, il commence à me saouler là. Parce qu'il est pas loin de mourir. Ah, c'est ça tout à l'heure qui m'avait surpris, je crois. Il envoie de la terre. Ah putain. Hey, en fait, il a des attaques d'Odogaron alors qu'il ressemble à un Diablos. C'est intéressant comme bête. Ah, je bouge pas là. Je bouge zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui t'ai fait exploser la gueule comme ça? Oh d'accord. Ah non, faut vraiment que j'arrête d'attaquer quand il attaque. La queue. Je vais prendre l'écofact. Allez, voilà ta potion de merde. Oh putain. Tiens, ça tu l'as pas volé. Ah, je vais pas repartir à l'attaque parce que sinon il va me défoncer, c'est sûr. Donc je vais attendre. Je vais attaquer maintenant. Voilà. Ah, il est bien fatigué là. Ouais, ça fait 30 fois qu'il est fatigué et il va dormir. C'est une blague. Hein. Ah ouais, c'est ça, il m'a réattaqué derrière, ok. Ah, mais j'ai des. C'est vrai, j'ai des capsules aveuglantes en fait. Ouais, et tu vois, les capsules aveuglantes, pour les utiliser, je suis obligé de retirer mon arme. Hein. Ok, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, mais il a pas mongolisé assez longtemps. Yes, là c'est bon. Ok. Ah, je vais pas retirer des masses. Il est encore un peu KO avec la capsule aveuglante, c'est cool. Oh, j'ai cru que j'étais encore mort. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas l'habitude de les tuer, les monstres. Je les capture presque tous. Donc, par contre, avant de rentrer au camp, t'es gentil, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais le dépecer. 50 secondes encore là, je vais le dépecer. Mais alors correctement, hein. Chirurgicalement, mon pote. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Laissez les monstres tranquilles, quoi. Je te jure. Oh là, ce jeu. Le côté écolo, c'est débile. Oui, il manque toujours une pièce du puzzle. Ah bon? Comment ça, une pièce du puzzle? Je veux dire, comment cet endroit a-t-il pu accumuler autant d'énergie? Assez pour attirer les dragons anciens et les forcer à changer d'habitat. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Mais qu'est-ce que t'en sais, putain? Arrêtez vos théories écologistes à deux balles, quoi. Enfin, c'est un peu... Ok, j'ai gagné pas mal de trucs assez inédits, hein, normal. C'est un nouveau monstre pour moi, donc... ça, c'est cool. Bon, j'ai pas pu le capturer, hein. C'est un dragon ancien. Donc, les dragons anciens, on ne les capture pas. C'est comme ça. Bon, bouclier totémique, merci. Hein. Franchement... ne peut en rester qu'un, c'est un trophée que j'ai obtenu. Compléter toutes les missions spéciales 7 étoiles.
Ok, nouveau niveau d'amélioration disponible pour les armures, toutes les armures. Waouh, ah ça va me coûter cher en sphère d'armure. C'est trop bien, ça ne finit jamais ce jeu, c'est génial. Ah, ces dragons anciens ne se calment pas, faudra les buter. Donc bon bah voilà, bah, c'est super parce que vraiment à chaque fois ça ouvre de tout un tas de nouvelles choses. C'est vraiment hallucinant ce jeu. Quand tu crois que t'en as fini en fait, c'est tout le temps. Bon, je pense que c'est parce que c'était des DLC en fait. Hein, depuis le temps que le jeu est sorti, c'était des DLC qui étaient ajoutés. Moi je découvre tout ça. Bah écoute, c'est super. Donc bah, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo concernant Monster Hunter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. C'est parti. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.